D'abord adapté sur Neo Geo, voici que Fatal Fury débarque sur Mega Drive. Comme tout bon jeu de combat qui se respecte, celui-ci repose sur un principe aussi simple que bestial. Vous devez éliminer vos adversaires sans vous-même vous faire tuer. Il n'y a pas moins compliqué. Pour parvenir à vos fins, vous disposez de trois héros. Joe Higashi et les deux frangins Fighters, Andy et Terry Bogard. Chacun de ces personnages, bien évidemment, dispose de différents pouvoirs spéciaux. Tornade, mur de flamme, boule d'énergie, coup de poing éclair, etc. Mais attention, les vilains qu'il vous faudra affronter au cours du jeu ne sont pas manchots non plus. En plus d'un boxeur, d'un énorme catcheur et d'un maniaque du bâton, vous aurez affaire à des adversaires plus originaux. Croyez bien que vous allez être étonné lorsque vous verrez un fou de la savate se suspendre sans arrêt au plafond pour vous donner des coups de pied, ou bien encore un petit vieux se transformer tout à coup en une montagne de muscles. Il vous faudra vous adapter rapidement à la façon de combattre de ces ennemis hors du commun si vous ne voulez pas vous retrouver rapidement en face du fatidique Game Over. Plutôt correctement réalisé, Fatal Fury s'avère être, en fin de compte, un bon jeu de combat sur Mega Drive. En attendant Street Fighter 2, la note Player One, 80%.